Bienvenue sur la chaîne de la télévision d'Arménie occidentale. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. La neutralité de l'Arménie occidentale et l'OTAN. Une visioconférence sur vos questions nos réponses Arménie occidentale se tiendra le 9 juin. Le monastère arménien d'Armash, âgé de 605 ans, est abandonné et se trouve dans une situation déplorable. Le projet de la Turquie est clair, elle veut faire revivre l'Empire ottoman. Biden et Erdogan discuteront du conflit d'Artsakh au sommet de l'OTAN. La carte de l'Arménie ville saunière préparée par Martiros Renanian a été réparée. La municipalité de Tushpa en Arménie occidentale organise des cours de tissage de tapis. Entretien avec Ashot Harutyunyan, directeur du musée d'histoire de la ville de Shushi. Arménie occidentale. Le 29 mars 2011, sur la base du droit international, le Conseil national et le gouvernement de l'Arménie occidentale ont déclaré la neutralité positive, armée et permanente sur l'ensemble du territoire de l'Arménie occidentale. Cette déclaration concerne non seulement les Arméniens en exil, mais aussi les Arméniens vivant ce jour-là à l'intérieur du territoire de l'Arménie occidentale, limité par la frontière wilsonienne. Selon Armenak Abrahamian, le président du Conseil national d'Arménie occidentale, depuis Erevan, en regardant le mont Ararat, un ancien me disait « Regarde les lumières sur le mont Ararat, ce sont les lumières d'une base de l'OTAN ». Alors j'ai voulu en savoir plus, et s'il existait bien sur le territoire de l'Arménie occidentale occupée par la Turquie, une base militaire de l'OTAN. À propos de l'OTAN, commençons déjà par comprendre qu'est-ce que l'OTAN et ses principes fondamentaux. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord a été fondée en 1949 et est composée de 30 pays d'Europe, dont la Turquie, membre de la SDN le 18 juillet 1932, intégrée à l'OTAN le 18 février 1952, au début de la guerre froide, et d'Amérique du Nord, a été créée pour protéger la population et le territoire de ses pays membres. Elle est basée entre autres sur le principe de la défense collective, la gestion des crises dans le monde et surtout la lutte contre le terrorisme. Concernant les bases militaires de l'OTAN en Turquie, elles sont au nombre de deux, celle de İncirlik et celle de Kulecik. La base de Kulecik abrite un radar d'alerte avancé utilisé par l'OTAN dans le cadre de la défense antimissile. Quant à celle d'İncirlik, elle est utilisée par l'US Air Force et accueille un dépôt de bombes nucléaires tactiques B-61 mis à la disposition de l'OTAN par les États-Unis. Par la conséquence, il n'existe pas de base de l'OTAN sur le territoire de l'Arménie occidentale occupée par la Turquie. Pour la raison juridique suivante, les États-Unis n'ont jamais ratifié le traité de Lausanne. Le Parlement d'Arménie occidentale et le consul de la République d'Arménie occidentale, M. Guillermo Karamanian, organisent une visioconférence « Vos questions, nos réponses Arménie occidentale » le 9 juin. La conférence se tiendra sur la plateforme en ligne Zoom pour les personnes latino-américaines et hispanophones. Le départ est à 19h30, heure argentine. Comme le rapporte Elmeni Haber, le monastère arménien de Çarxapan sur Pastvatsatsin à Armash, dans la région d'Izmit, âgé de 605 ans, est abandonné et se trouve dans une situation déplorable. Les alentours du monastère, où un séminaire est construit dans les années 1889, se trouvent aujourd'hui à moitié en ruine, entièrement recouvert d'herbe. De plus, les habitants ont transformé toute la zone du monastère en décharge publique. Malgré ce fait, les habitants souhaitent restaurer le complexe monastique et le transformer en un site touristique. Pour cette occasion, ils se sont adressés à la municipalité de Kocaeli. Selon le maire d'Armash, le séminaire d'Armash est un des plus anciens en Turquie. Les travaux de restauration ont commencé sur le territoire du monastère en mécénat de l'un des hommes d'affaires d'Armash, mais ont été arrêtés pour certaines raisons. Rappelons que le monastère arménien de Çarxapan sur Pastvatsatsin à Armash a été fondé en 1416. Avant la création du village d'Armash, la colonie était habitée par les Grecs. Mais les Grecs l'ont brûlé et abandonné, et les Arméniens qui ont immigré de Malache s'y sont installés. La Turquie continue de violer la souveraineté irakienne en attaquant le sud du Kurdistan Pachour. Cet incident se passe sur le fond de silence des gouvernements d'Irak et de Pachour. À cet égard, l'écrivain et journaliste irakien Samri Japer a déclaré ce qui suit. Les plans de la Turquie sont clairs. Elle veut faire revivre l'Empire ottoman. Ses ambitions coloniales sont sans limite. L'État turc continue à mener des politiques violentes et à essayer d'étendre des territoires qu'il contrôle par l'occupation. Ainsi, depuis le 23 avril, la Turquie attaque les zones du sud du Kurdistan Pachour. Un désir excessif de posséder les terres étrangères oblige Erdogan à violer ouvertement les accords internationaux, y compris avec Moscou. La Turquie inclut illégalement les territoires occupés de la Syrie.
Les forces turques ont commencé à former des gouvernements locaux dans la province syrienne d'Idlib, qui est contrôlée par Ankara. Pendant cette période, les passeports syriens sont remplacés par des passeports turcs. Cela permettrait à Idlib d'être inclus en Turquie. Selon les analystes, dans un avenir proche, les parties nord et nord-ouest de la Syrie seront rattachées à la Turquie. Le désir évident d'Erdogan de faire revivre l'Empire ottoman ne mène à rien de bon. La situation du Haut-Karabakh figure dans la liste des questions que les présidents américains Joe Biden et turc Recep Tayyip Erdogan aborderont lors de leur rencontre dans le cadre du sommet de l'OTAN. Les deux dirigeants auront un large programme sur des questions régionales telles que la Méditerranée orientale, la Syrie, l'Iran et le Haut-Karabakh, a déclaré Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président américain lors d'un briefing hier. Il a noté que Biden connaît bien Erdogan et que les deux dirigeants espéreront profiter de cette occasion pour aborder tous les aspects des relations. Le sommet de l'Alliance des Atlantiques Nord se tiendra à Bruxelles le 14 juin. Conservé dans le bâtiment du magasin Homeland à Watertown, Massachusetts, en 1922, la carte d'Arménie wilsonienne préparée par Martiros Relanian, qui représente une valeur politique pour nous, a été restaurée. Merci aux initiateurs et pour le soutien du programme. A partagé sur sa page Facebook Rafi Kortoshian, directeur adjoint de la Fondation de recherche de l'architecture arménienne. La municipalité de Tushpa, dans la province de Van en Arménie occidentale, a organisé des cours de tissage de tapis pour les femmes sans moyens, grâce auxquels la tradition de cet art artisanal, qui a une histoire millénaire, se poursuit. Ce métier est un art style arménien qui nous est parvenu depuis de l'Antiquité. En particulier, c'était la principale profession des femmes arméniennes. D'innombrables tapis et carpettes décoraient des luxueuses demeures et même les palais des rois grâce à la maîtrise des femmes arméniennes. L'art du tissage des tapis est maintenu jusqu'à aujourd'hui et continue à se développer. Les secrets et les nuances de ce travail, transmis de génération en génération, sont toujours préservés et constituent une source de revenus pour les maîtres et les hommes d'affaires. Les cours de tissage de tapis et de carpettes fermés un certain temps en raison de l'épidémie ont rouvert le 1er juin, suivant les règles sanitaires de l'épidémie. Sur la chaîne de la télévision d'Arménie occidentale, Ashot Harutyunyan, le directeur du musée d'histoire de Chouchi, a parlé des valeurs historiques et culturelles laissées dans les territoires occupés par l'Azerbaïdjan, de leur importance historique en expliquant pourquoi le musée n'a pas été évacué, pourquoi ils n'ont pas pu sauver aucun objet historique important. Il a présenté en détail les événements qui se déroulent autour de l'église Saint-Razan-Chetsot, commençant du bombardement jusqu'aux travaux de réparation par les Azerbaïdjanais et de la propagande azerbaïdjanaise. À la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de Sahak Sahakian Mayra Mutichav. Mayra Mutichav Sakayn chadatharets krivnahavor batsvets arshavus La version complète est disponible sur notre site internet. Merci de votre fidélité et nous vous souhaitons une bonne soirée. À bientôt.